Comment est-ce qu'une fake news a pu causer un tel emballement médiatique au niveau mondial? C'est même pas au niveau régional, c'est mondial. Comment est-ce qu'une nouvelle qui n'est pas vérifiée, une nouvelle où on peut juste, avec un petit check, un peu de recherche sur Internet, on voit qu'elle est complètement bidon, a pu causer autant de buzz? Je parle bien sûr de l'affaire de Achraf Hakimi et de son épouse par rapport à leur divorce. Ça n'échappe à personne, tu dois être un peu sur les réseaux. Cette information suivant laquelle sa femme, qui est en instance de divorce avec son époux Achraf Hakimi, s'est rendue compte devant le tribunal, au niveau du tribunal, que son mari avait tout mis au nom de sa maman et que celle-là perçoit aussi 80% de son revenu tous les mois. Donc lui, Achraf Hakimi, il ne possède rien et que lorsqu'on va prononcer le divorce, elle n'aura rien du tout parce qu'il ne possède rien. Comment une information comme ça a pu avoir autant d'impact alors qu'on sait de base, pour ceux qui connaissent un peu le contexte d'occidental, mariage, divorce, que ce n'est pas du tout possible. On va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous dévoiler en fait comment est-ce que cette fake news a fait pour se divulguer sur la toile. Et après, on va voir comment est-ce qu'au niveau contextuel, au niveau légal, au niveau même, au niveau, comment on appelle ça, au niveau même judiciaire, comment ce n'est pas possible en fait? Comment est-ce qu'un truc comme ça, c'est complètement une nouvelle qui n'a pas de sens? On en parle juste après. Bonjour, attends, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler donc de l'affaire Achraf Hakimi et son épouse, qui sont en instance de divorce suite aux accusations de viol dont il fait l'objet. Parce que pour situer un peu le contexte, Achraf Hakimi est aujourd'hui poursuivi par le ministère public, pas par la dame qui l'accuse de viol, il faut qu'on précise ça, pour viol. Donc, pourquoi j'explique que c'est pas le ministère public? Parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que il a rencontré une femme sur les réseaux sociaux. La femme est venue chez lui. Apparemment, la femme accuse, ils ont eu quelques altercations, voilà, je sais pas. La femme, maintenant, allait faire une main courante qui a une main courante qui a donc expliqué qu'elle avait été violée, mais n'a pas porté plainte. Mais c'est le ministère public qui s'est auto-saisi et qui maintenant poursuit Achraf Hakimi pour viol. Et suite à cette histoire, sa femme, donc qui est une célèbre actrice, je crois, marocaine, a donc demandé le divorce, même comme l'enquête est encore en cours, elle a souhaité se séparer de son époux. Donc qui est ce joueur de football qui gagne en moyenne 1 million d'euros par mois. Et donc, c'est que la nouvelle qui a causé le buzz ces 3-4 derniers jours sur Internet, c'est que la femme aurait donc été surprise de se voir devant le tribunal dire que Achraf Hakimi ne possède rien, tout au nom de sa mère, et que même ses revenus, 80%, c'est sa mère qui les touche. Une grosse connerie. Mais déjà, comment est-ce que la nouvelle s'est propagée? J'ai noté tout ici. La nouvelle, en fait, a été construite en 3 temps. D'accord? En 3 temps. Premier temps, en fait, c'est un compte Twitter ivoirien qui s'appelle, je crois, c'est First Magazine, qui est réputé, en fait, pour publier des fake news. Donc, l'image va s'afficher quelque part, la news qu'ils ont publiée. Donc, c'est elle qui a monté cette histoire de toute pièce. C'est elle qui a créé ça de toute pièce. Sur quel fondement, sur quelle base, personne n'en sait rien. Donc, elle a donc, elle s'en est levée un matin, elle a écrit ça comme ça. Alors que je pense que c'est, même quand il y a une procédure de divorce entre les époux, il y a quand même le secret du, c'est les avocats qui ont accès au dossier. Donc, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui écrit comment est-ce qu'elle a eu l'information, ça c'est complètement bidon. Donc, le fondamental, première fois, c'est ça. C'est ce site-là, en fait, qui est la base de cette fake news. Ensuite, maintenant, elle a été repartagée par des milliers de comptes. D'abord sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, même Francis Ngannou a tweeté. En fait, elle a été repartagée de façon large sur Twitter et TikTok en particulier, où ça a vraiment pris quelque chose d'énorme, en fait. Ça a eu un aura gigantesque. Et maintenant, en troisième lieu, maintenant, des sites comme Marca, qui est le journal sportif espagnol, Express, Goal, qui sont des sites, en fait, sportifs très suivis, on partageait l'information et c'est comme ça que ça s'est diffusé dans tous. Donc ça part en fait d'un site ivoirien, First Magazine, qui ne connaît rien de ce qui se passe ici en Occident par rapport à ces contextes-là, qui a publié, son community manager s'est levé un matin à publier une nouvelle. Et quand on fouille, moi j'ai fouillé d'où venait cette nouvelle-là et c'est sur eux que je suis tombé. Donc au-delà d'eux, il n'y a rien d'autre. Et c'est par là que tout le monde a relayé l'information et qu'on a eu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est par rapport à une information qui vient d'un site bidon, qui ne publie que des fake news, que aujourd'hui on pense que deux personnes qui se séparent sont dans cette situation-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être vraie? Je vais vous expliquer pourquoi elle peut être vraie de façon plutôt simple. D'abord, lorsqu'il y a un mariage qui se fait entre deux personnes, il
Il y a des régimes, ce qu'on appelle régimes matrimoniaux, qui s'appliquent. Ceux qui sont mariés comprendront ce que je vais expliquer. Peut-être ceux qui veulent se marier vont comprendre. Il y a en fait d'abord le régime de la communauté réduite aux acquêts. Donc c'est le régime en fait par défaut lorsque vous vous mariez. C'est celui qui est appliqué dans la majorité des pays européens, hein, que ce soit les pays France, Espagne, voilà. Et maintenant, en fait, si le couple avait adopté ce régime de mariage, cela signifie simplement que ce qui avait été acquis par les époux pendant leur mariage leur appartiennent tous les deux en cas de divorce. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez ensemble, tout ce que vous gagnez en commun lorsque vous êtes mariés vous appartiennent tous les deux, peu importe que ce soit ta mère, ton père, ton oncle qui reçoit ce que tu gagnes, quoi. Donc, communauté aux acquêts, c'est ça. Ça veut dire que forcément, quand vous vous mettez ensemble, ce que vous gagnez ensemble vous appartient tous les deux. Ça, c'est le régime par défaut. Après, maintenant, il y a une autre façon qu'on appelle régime séparation de biens. On savait dire que derrière, vous pouvez dire que vous séparez les biens dès le mariage ou peut-être vous signez un contrat de mariage. Ça veut dire que dans ce contrat-là, forcément, son épouse aurait été informée. Elle aurait été informée du contrat de mariage qu'elle aurait signé, que les biens sont séparés ou que peut-être il ne possède rien. Donc, ça veut dire qu'elle aurait été forcément au courant et le fait qu'elle dit qu'elle était surprise n'a pas de sens. Donc, vous voyez, en fait, déjà au niveau légal, au niveau du mariage déjà de cette institution-là, ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Parce que même si aujourd'hui, elle veut, elle est autant propriétaire de ce que son mari a gagné pendant le mariage, même si ça dure 2 ans, 3 ans, elle peut réclamer juste cette partie-là. Parce qu'ils se sont mariés par le régime par défaut, ou ils sont mariés par le régime séparation de biens, ou avec un contrat de mariage. Ça, c'est le premier point. Maintenant, Hakimi, ce joueur de foot-là, décide de tout mettre au nom de sa mère. D'abord, c'est que c'est une grosse connerie. C'est qu'il est très mal conseillé de façon fiscale, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Ça veut dire, en fait, qu'il allait payer, il allait avoir un gros redressement fiscal. Parce que par rapport à la France, je vais vous mettre l'article là, vous pouvez céder à vos ascendants, descendants, je crois que c'est maximum 100 000 euros, un truc comme ça. Et au-delà de ça, en fait, tout le reste, vous pouvez céder de façon à titre gratuit. Mais au-delà de ça, vous serez lourdement imposé. Ça veut dire que derrière, côté fiscal, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que son conseil fiscal va complètement mal conseiller. Ce n'est pas faisable. Ça veut dire que derrière, c'est du blanchiment d'argent. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous gagnez votre salaire. On va imposer qui? On va imposer la maman, on va t'imposer toi. Mais c'est n'importe quoi. Et quand tu vas gagner ton salaire, il faut que tu payes des impôts. Il faut que tu déclares ce que tu gagnes au niveau de ta sécurité sociale. Il faut que tu gagnes tout ça. Même si c'est ta maman qui touche, elle va toucher ça sous quel ordre? Elle va toucher ça pourquoi? Après, je peux comprendre que peut-être il y a quelques biens qui lui appartiennent, qu'il a mis au nom de sa mère, quelques entreprises, quelques actifs, mais c'est inconcevable, c'est impossible en fait que l'argent qui lui appartienne, il ait donné ça à sa mère comme ça. Même si c'est dans le compte de sa mère, ça lui appartient à lui. Donc ça veut dire que forcément, sa femme peut toucher. Je ne sais pas si on se comprend. Même si aujourd'hui, moi, je gagne 2000 euros, je donne un exemple, et que les 2000 euros sont dans le compte de ma femme, c'est toujours mon argent. Donc, si quelqu'un veut pouvoir récupérer cet argent-là, il peut aller prendre sur le compte de ma femme. C'est normal, c'est comme de ma mère, c'est mon argent. Mais maintenant, si j'ai dit que j'ai donné l'argent à ma mère, que c'est son argent à ma mère, à elle, là, c'est différent. Là, je suis limité à 100 000 euros par an pour la France, je crois que c'est ça. Et au-delà, je suis fiscalement imposé et lourdement. Donc, ça veut dire que derrière, même si l'argent va sur le compte de sa mère et qu'il n'a pas donné à sa mère, c'est toujours son argent. Donc, ça veut dire qu'elle peut toujours prendre ça si elle veut sa femme. Enfin, je ne connais pas quelle est l'histoire de leur divorce. Ça, c'est le premier point. Le second point, en fait, c'est que derrière, même si aujourd'hui, ils disent qu'il va rien lui donner, il y a ce qu'on appelle la pension compensatoire. C'est-à-dire, lorsque vous vous séparez avec une femme et que le juge estime qu'elle va perdre en termes de qualité de vie, vous allez payer une pension compensatoire. Et je crois qu'ils ont 2 enfants aussi. Donc, vous devez payer ça, vous devez payer la pension familiale, payer beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que même s'il y a une affaire où on dit qu'il a tout mis en nom de sa mère, il va quand même payer quelque chose. Il va payer beaucoup. Il va payer beaucoup d'argent. Donc, je vais dire que derrière, en fait, il a dit qu'il faut vraiment faire attention. Lorsque vous écoutez des choses sur Internet, il faut se poser et réfléchir. On a un cerveau, on n'est pas des moutons. D'accord? On n'est pas des moutons. Je suis quand même étonné que quand je vois des personnes sérieuses, des personnes qui peuvent quand même aussi comprendre des choses aussi simples que ce n'est pas possible, se mettent à relayer ce type d'informations. Il faut faire attention. Internet, c'est une plateforme vraiment où on peut relayer des fake news tout le temps. Où une fake news peut devenir quelque chose, peut avoir un emballement médiatique qui n'a pas de nom. Et maintenant, qu'est-ce que ça cache derrière? Ça cache quoi derrière? On voit en fait que l'opinion,
l'opinion, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont supporté Hakimi pour dire qu'il a bien fait, pour dire qu'effectivement, c'était intéressant ce qu'il a fait, tout ça, machin. Ça démontre autre chose derrière. Il faut plutôt voir, lire ça autrement. Du fait que ce soit faux et que j'ai démontré pourquoi ce n'est pas possible, c'est que derrière, ça démontre en fait que ces femmes qui se mettent avec des footballeurs, gens qui ont beaucoup d'argent, en passant leur soutirer un peu de sous, sont très mal perçues par l'opinion publique en fait. Très mal perçues. Parce que Hakimi a eu beaucoup plus de soutien que des personnes qui ont condamné ce qu'il a fait. Et moi, je pense que derrière, il faut se poser la question encore au-delà de ça, sur le fait des femmes en fait qui luttent pour l'indépendance ou qui luttent pour des femmes fortes et tout ça. Il y a tout un débat derrière une société qu'il faut avoir, en fait. Parce que ça, c'est vrai qu'une femme qui va lutter pour être indépendante, ce qui est son droit, ou qui va lutter pour être une femme forte, ce qui est son droit aussi, ne va pas pouvoir, après, derrière, aller vouloir peut-être récupérer la moitié de la fortune de son mari. Je veux dire, si une femme lutte pour être indépendante et pour être forte toute seule, elle doit s'assumer toute seule, même si elle décide de se séparer de son mari. Donc, comme elle est indépendante, elle est forte, il faut qu'elle soit capable de se prendre en charge sans même avoir à viser les biens de son mari. Je ne sais pas si on se comprend. Mon avis, c'est quoi sur la question? Mon avis, en fait, c'est que déjà, l'opinion est très orientée contre des femmes qui sont matérialistes. L'opinion est très orientée contre les femmes qu'ils appellent, en fait, des femmes qui vont venir escroquer des gens avec qui ils vont se marier juste par intérêt. L'opinion, aujourd'hui, est très portée par ces personnes-là qui mettent en place des astuces pour faire déjouer en fait les plans de ces personnes-là. Mais moi, je pense que évidemment, même comme tout ça c'est faux, moi je pense que lors de la séparation quand même, il va payer, il va cracher un max, parce que la séparation c'est pour, en fait, elle met en avant l'infidélité. Donc, qui dit infidélité dit faute. Donc, ça veut dire que même si cet argent est où, elle va toucher une partie. Après, on n'est pas dans le secret de leur divorce. Et c'est même encore très tôt de savoir comment ça va se passer. Parce que pour ce divorce, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas, on commence à parler d'argent lorsqu'il y a plusieurs choses qui sont déjà résolues. Donc, je pense que parler d'argent avec ça, maintenant, c'est même très tôt, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est même complètement... Comment, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas du tout possible de penser à ça maintenant, quoi. Parce que même s'ils font la procédure de divorce, ils vont parler d'argent plus tard. Ce n'est pas maintenant qu'on parle d'argent. Ce n'est pas maintenant. Donc, c'est pour dire qu'en fait, que même tout ça, moi, je ne comprends pas comment il y a un emballement pareil par rapport à un tel truc. Je vais expliquer ce que je pensais par rapport à cette histoire. Et c'est une vraie fake news qui a fait un tapage énorme. Et je veux que les choses soient rétablies et que les gens comprennent, en fait, que sur Internet, on peut vous manipuler. Sur Internet, les fake news sont de partout. Et à vous et à chacun d'être responsable de ce qu'il diffuse, de ce qu'il véhicule, quoi. Parce que c'est ça qui est important. Chacun doit être responsable. Chacun doit vérifier surtout sur ça d'information, parce que ça fait le bonheur des gens, ça fait le malheur des autres, mais il faut vérifier, surtout quand on est quelqu'un qui est écouté, qui est suivi, ce qu'on va diffuser à son audience, ce qu'on va faire ressortir, quand on va discuter, surtout pour une affaire comme ça, qui est une affaire de divorce entre deux personnes, une affaire qui est sensible, même si c'est deux personnes qui sont des célébrités, qui sont des pauvres gens, qui sont très connus sur la terre. Le divorce n'est jamais quelque chose de simple pour personne, jamais un instant joyeux. Et quand deux personnes décident de se séparer, c'est toujours un moment de douleur. Et je pense qu'il faut quand même respecter ça. Et ce n'est pas le fait de se réjouir de qu'il a déjoué sa femme, ou de se réjouir de quelque chose que sa femme n'aura rien, que ça va arranger les choses, quoi. Toi qui te réjouis, ça t'apporte quoi? Toi qui es content, ça t'apporte quoi? Toi qui t'écris, toi, ça t'apporte rien du tout. Ça t'apporte, et même les concernés ne sont même pas exprimés dessus, quoi. Donc, je pense que dans un instant pareil, quand deux personnes qui se sont mises ensemble décident de se séparer, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Et il ne faut pas se réjouir ou pleurer. Sinon, chacun, ils sont à deux, ils font leur procédure, ils avancent. S'ils veulent en parler exactement comment ça se passe, ils vont en parler. Si les avocats qui gèrent ce dossier-là veulent donner des informations, ils les donneront. Si les médias sérieux qui veulent vraiment diffuser la bonne information qu'ils ont eue auprès des personnes qui ont accès au dossier veulent le faire, ils vont citer leurs sources. C'est ça qui est important. Ils vont citer tous les affaires de divorce qu'on a eues par la suite où les gens citaient les informations, surtout pour les stars, ils citaient leurs sources. Que c'est l'avocat de temps, c'est elle qui m'a dit ceci, cela. Ce n'est pas qu'un magazine, First Magazine en Côte d'Ivoire, où un mec s'est assis là, pensé à ça, qui ont fait ça. Donc faisons très attention, mes frères et sœurs, papa, ce qu'on diffuse, faisons très attention. Parce que derrière,
les répercussions peuvent être très élevées. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport à cette histoire, par rapport à cette fake news montée de toutes parts et de cette histoire de séparation qui est mise sur la place publique comme ça. Même si c'est deux personnes qui sont célèbres, il faut quand même faire attention. Je pense qu'il faut respecter ça. Le divorce n'est jamais facile pour personne. Et je pense que même si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu engages une procédure de divorce si tu es marié, je n'aimerais pas aujourd'hui que ce soit mis sur la place publique comme ça et qu'il y ait des fake news qui tournent autour de ton divorce. Donc, faisons très attention à ce que nous diffusons. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenny, c'est là, prends soin de toi. Ciao, ciao.